1962. Le Sénégal, depuis 2 ans, construit son indépendance, obtenue de la France le 4 avril 1960. 3 hommes incarnent la nouvelle nation. Léopold Sédar Senghor, président de la République, Mamadou Dia, président du Conseil, et Valdio Diom Ndiaye, ministre de l'Intérieur et de la Défense. En fait, Léopold Sédar Senghor dispose d'un pouvoir très limité. L'homme fort, c'est Mamadou Dia, avec à ses côtés Valdio Diom Ndiaye, en charge de la cohésion nationale.